sa balle. Non, tu ne vaux pas mieux qu'un dealer. Si j'étais toi, je n'entrerais pas maintenant. Tu sais qui tu me rappelles. Pourquoi est-ce qu'ils se disputent, Pagan? Les soldats de Pagan Mine s'apprêtent à attaquer un de nos camps. Amita a dit qu'on doit d'abord récupérer les informations rassemblées par nos soldats. Sabal pense que c'est plus important de sauver nos hommes. Et ça fait longtemps que ça dure? Ah, suffisamment. C'est la même chose à chaque fois. Ils restent campés sur leur position. C'est un vrai mal. Bon. Vous avez commis des crimes contre les dieux. Je voudrais pas vous déranger, mais tu es Ejegel, c'est ça? Ah, oh, merci de nous venir en aide. Tout le monde apprécie ce que tu fais ici. Non. C'est le Sentier d'Or qui est venu me sauver, mais honnêtement, je suis juste... Votre clémence quand vous égorgez juste ici vos pour disperser les cendres de ma mère. Vous avez commis des crimes contre les dieux. Mais maintenant, tu vois ce que Pagan a fait à ce pays. Tu es le fils de Mohan Gale. Que tu le veuilles ou non, le Kirat est ton pays. Et tes choix vont avoir un impact. On a besoin de quelqu'un pour sortir de cette impasse entre Amita et Sabal. Ne l'oublie pas quand tu entreras. Oh, oh mais vas-y, montre à Edgey ce que c'est un vrai mal. Des vies sont en jeu. Si on ne fait rien, des gens mourront. C'est la guerre qui est en jeu. Il nous faut ces infos. Souviens-toi de ce que tu disais pour Darpan. On a besoin de ces soldats sur le front. Si j'avais dû choisir entre Darpan ou les infos, j'aurais choisi les infos. Bonjour à tous, c'est Osiris, on se retrouve pour notre cinquième épisode de notre Let's Play sur Far Cry 4, dans lequel nous avons apparemment un choix à faire. Alors, moi, perso, je préfère sauver les hommes que les infos. J'ai pas besoin d'infos, moi j'ai besoin de skills, et ça tombe bien, j'en ai. Désolé. Alors, qu'est-ce que t'as à me dire, toi? Qu'est-ce que je peux faire? Un de nos camps va bientôt se faire attaquer. Je sais pas quand, mais ça pourrait être grave. Il faut que je leur envoie tous les renforts possibles. Alors si tu veux m'aider, va là-bas, mon frère. Désolé, mon foie, enfin ma sœur plutôt. Mais c'est lui que j'ai choisi. Le camp Bravo. Où est-il, le camp Bravo? Ah ouais. Évidemment, je peux pas aller rapidement. Bon. Eh ben, on va prendre la voiture et puis... Et puis, on va y aller. T'es sérieux, quoi? Je me baladais tranquillement quand je me fais attaquer par ces gros talkers. Fiché, j'ai autre chose à faire. Moi, je dois sauver le monde. Enfin, le Kirat, enfin... Bon, bref, laissez-moi faire mon boulot tranquillement, ok? Putain de royaliste. T'as de la chance, toi. J'ai autre chose à faire, de plus important. Comme buter des mecs. Ouais. Oups. Me dites pas que je suis mort. Waouh, je suis trop fort. Pour libérer un avant-poste, il suffit juste de se faire percuter par un éléphant. Ok. Et j'ai récupéré toute ma vie aussi, trop dingue. Ah là là. Qu'est-ce qu'on s'amuse. Ah là là. Ah, j'ai l'impression que c'était pas par là qu'il fallait que j'aille. Mais allez, découvrons un Pélépi. Ouais, t'inquiète, je sais ce que j'ai à faire, c'est pas peine de me raconter. J'ai déjà fait dans une autre vie, sur une île. Oh, trop bien, une miche. Une machine gun. Je parle bien à Edgey Gale. Ouais, mon frère. Je vous expliquerai. Venez me voir à mon atelier. Alors.
Il y a combien de méchants? En fait, c'est bien gentil l'arc, mais je pense qu'il y a plus. Un bon petit fusil de sniper avec un silencieux. C'est mieux. Mais. Faut que je les libère de qui? Eux, ils sont gentils? What? Ajay, je suis ravi de te voir. On est prêt pour ces fumiers. Prends des mines ou va sur la tourelle. Ils vont morfler. Oh ouais. C'est pas ma guerre. Oh, des vagues, trop bien. J'adore les vagues. Mettre en hauteur, toujours se mettre en hauteur, c'est la base. Où sont-ils? Où sont-ils? Où viennent-ils? T'es un gentil ou t'es un méchant, toi? T'es un gentil. Viens ici, toi. Faut que j'apprenne la double élimination, parce que là... Allez. Parfait. Couteau de lancer. Ok, ils sont où les tocards? Attends de quoi? Trop de merde. Bon bah dans ce cas là on va prendre la machine gun hein. Vu qu'on peut pas s'amuser. Mais sérieusement quoi, c'est nul. Ah là là. Je les éminerai. Ils sont bientôt là. Te mets pas devant moi, sinon tu vas. Tu te vas pour te prendre quelques balles, mon frère. Come on, my friend. Il va prendre la double élimination quand même. Non, c'est pas là-dedans. Tiens-toi prêt, ça arrive. Des chasseurs! Des chasseurs approchent! C'est des chasseurs, AJ! Ces mecs sont rapides et durs à pister. Tu les vite! Ennemi au sud. C'est où le sud, bordel? Mais... Facteur de... Mais sérieux... Ah sérieux quoi. C'est chaud.
qu'est-ce que c'est que ce jeu qui est dur? C'est nouveau? Ça vient de sortir? Ou alors c'est juste que je peux pas le faire à l'arc, peut-être? En tout cas, j'aimerais bien ne pas devoir attendre à chaque fois, c'est chiant. Je mets 3 pompes. Ah, déjà, il me faut plus de flèches que ça. Oula. Voilà. Ah d'accord, c'est des munitions de fusil sniper en fait. Ah, c'est peut-être les mines que j'ai pas fait et que je devrais. Ah, viens voir. Ah, t'en fais pas un peu trop. Et tu tires sur quoi? Ça a l'air bon. Ça se trouve en fait depuis le début il m'en manquait un seul. Quoi? Encore? Oh. Je sais pas où Pagan trouve ces hommes. J'ai jamais vu des types aussi habiles de toute ma vie. Pourtant, tu m'as vu, mon frère. Oh, mais putain! Fais attention! Quoi? Je t'ai pas tiré dessus, c'est bon. Ferme ta gueule. Ok, on va au camp alpha. Putain, il me tire encore dessus. Oh merde! Du temps. Ah d'accord. Là, faut pas que je sauve le camp. Faut juste que je fasse un petit génocide. Donc, on regarde où ils sont. Ils sont là. Oh, il y a un ours dans la cage. Ouvrons la cage. Allez, amusez-vous. Allez, sors. Il doit en rester un si je me trompe. Ah non, il y en a d'autres.
C'est moi que tu cherches. Ah ah, là tu vas m'emmerder. Non mais oh, c'est bon. Il ousse. Il est là. Putain. Viens ici toi, au lieu de fuir. Dégage là. Ok. Là. Ça balle ? C'est bon. C'est fait. Mais les infos que cherchait Amita ne sont pas ici. Bon, du coup, c'est je peux pas grave, choper frère. Des pots d'ours. Tu as sauvé des vies. C'est l'important. Bah oui, mon frère. Tu es le fils de Moad. Il serait fier de toi. Ah, donc ça, ce que vous avez vu me mettre dans un sac, c'était de la peau, en fait. On dirait pas, hein. Bon, bref. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, et n'hésitez pas à dire en commentaire si vous souhaitez que plutôt que d'avoir un arc... Bon, je suis bien d'accord, hein, tu es des mecs à l'arc et au revolver, c'est badass. Mais est-ce que ce serait pas mieux que je sois des vraies forces spéciales avec un sniper silencieux? Si vous préférez ça à l'arc, n'hésitez pas à le dire en commentaire, à mettre un like et tout le truc, le tintouin habituel. En attendant, j'espère que ça vous aura plu et on se voit pour la prochaine vidéo sur YouTube. Salut !